huitième leçon, qui est la suite de la septième, j'aimerais vous rappeler d'abord le chemin parcouru. Voici le chemin que nous venons de parcourir après l'introduction de ce cours, l'introduction générale, l'étude des aspects formels de la recherche et de la pratique thérapeutique pastorale du docteur, du pasteur Kutkok, docteur Kutkok, l'esquisse, la présentation de la critique relative à la publication des cas qu'il étudie dans son livre, la classification des exemples qu'il nous donne. Nous avons commencé à étudier la détresse psychique causée par le contact avec l'occultisme. Maintenant, dans la première partie de cette étude, nous sommes en train d'examiner trois catégories de cette détresse psychique, spirituelle et même parfois physique, existentielle même, causée par le contact avec les sciences occultes, les pratiques occultes. Alors, trois parties que nous devons distinguer clairement. La perception extrasensorielle, l'influence extrasensorielle et les apparitions extrasensorielles. Dans la catégorie de perception extrasensorielle, nous avons étudié le spiritisme. Et dans le spiritisme, il y a l'apparition des morts, la danse du verre, les tables tournantes, les parlers en transe et l'écriture automatique. Je répète encore, parmi les perceptions extrasensorielles, il y a le spiritisme. Et dans cette sous-rubrique des perceptions sensorielles qui sont qu'est le spiritisme, il y a un, l'apparition des morts, des gens qui communiquent avec les esprits des morts, 1 Samuel 28, la danse de verre, qui font danser des verres et qui divinent par ça, les tables tournantes, les parlers en transe des médiums, l'écriture automatique. Cinq choses que nous avons examinées. Puis, après le spiritisme, nous avons vu la cryptesthésie. La cryptesthésie. Et dans la cryptesthésie, nous avons vu quatre choses. Les rêves prémonitoires, la télépathie, la voyance, les second sens ou la cryptesthésie sensorielle. Dans la cryptesthésie, qui est la deuxième catégorie de perception extrasensorielle, nous avons vu d'abord les rêves prémonitoires, ensuite la télépathie, la voyance et le second sens enfin ou la cryptesthésie sensorielle. Puis est venu, toujours dans la catégorie de perception sensorielle, nous avons vu la mancie, la divination, la mancie. Et là, nous avons vu, entre autres, la cartomancie, la chiromancie, l'astrologie, la baguette et le pendule. Cartomancie, chiromancie, astrologie ou astromancie, moi je dirais, baguettomancie ou baguette, pendulomancie ou le pendule. Et après les perceptions extrasensorielles, nous sommes passés aux influences extrasensorielles. C'est la deuxième section de
ce chapitre sur les aperçus de la détresse psychique produite par le contact avec l'occultisme. Les influences extrasensorielles, nous allons étudier dans cette rubrique huit sujets. 1. L'hypnose utilisée par le profane. Nous avons vu ça, l'hypnotisme. 2. Le magnétisme guérisseur. Les gens qui guérissent par le magnétisme. 3. La conjuration magique. Les gens qui conjurent. 4. Avec la conjuration magique, nous avons vu aussi, en plus de la suggestion, le sortilège. 4. La suggestion mentale. Une suggestion mentale qui est un prolongement et un approfondissement de l'hypnose. Nous allons voir la magie noire maintenant et la magie blanche dans cette leçon. Les pactes de sang, nous allons le voir aussi dans cette leçon. Le pacte de sang avec les diables, c'est diabolique. Le fétichisme, puis les incubes et les succubes. Parce que quand nous verrons les incubes et les succubes, c'est là que vous allez voir ce qu'on dit en Afrique, partout un peu, maintenant les femmes de nuit et les hommes de nuit. Les incubes et les succubes. Voilà donc les influences extrasensorielles. Je répète, 1. L'hypnose utilisée par les profanes, mais même avec les médecins, j'ai ajouté. Le magnétisme diverseur, 2. La conjuration magique. La suggestion mentale, la magie noire et la magie blanche, le pacte de sang avec le diable, le fétichisme, les incubes et les succubes. Et alors, la troisième section de cette partie portant sur les aperçus de la. Sur les aperçus de. La détresse psychique produite par le contact avec l'occultisme, donc ce survol de la détresse psychique produite par le contact avec l'occultisme, la troisième partie de ce survol portera sur les apparitions extrasensorielles. Donc vous avez les perceptions extrasensorielles, les influences extrasensorielles, troisièmement, les apparitions extrasensorielles. L'étudiant qui examine cette partie doit connaître, bien définir, qu'est-ce que signifie une perception extrasensorielle? Qu'est-ce que signifie une influence extrasensorielle? Et qu'est-ce que signifie une apparition extrasensorielle? Comme la matérialisation et les apparitions de revenants. C'est ce que nous allons voir là. Nous verrons là. Alors c'est très important pour vous de savoir bien définir ces trois sections. Les perceptions extrasensorielles, l'influence extrasensorielle et les apparitions extrasensorielles. Je vous annoncerai la partie suivante, les autres leçons, quand nous arriverons à ce chapitre. Pour le moment, nous poursuivons notre leçon sur l'influence extrasensorielle et nous sommes en train d'examiner la problématique, n'est-ce pas, de la suggestion mentale. Nous allons voir la suggestion mentale, qui est la quatrième sous-section de l'influence extrasensorielle. Avant de voir la suggestion mentale, j'aimerais quand même faire une mention importante sur la transmission héréditaire de troubles psychiques et même aussi des liens occultes. Vous allez voir dans les cas 24, dans le livre, cas 24, cas 60, cas 61, cas 62, cas 63, cas 64, cas 65, cas 66, présenté par le docteur Koch. Il y a comme une sorte de prédisposition, même une maladie nettement accusée, telle que la dépression, qui se transmet d'une génération à l'autre
à cause de pratiques occultes. Et c'est très important de le savoir. Une pratique assidue de la conjuration magique, par exemple, laisse dans le niveau moyen du subconscient des agrammes susceptibles d'être transmis aux descendants, qui constituent, eux, un foyer latent d'affection psychique. C'est comme des œufs psychiques occultes qu'on appelle les engrammes. Voyez, quelqu'un a utilisé des conjurations magiques, des sortilèges tout le temps dans sa vie et dans sa maison, laisse ses œufs. Et ses œufs vont se reproduire, vont reproduire ces esprits de conjuration et de sortilèges magiques. Et c'est très important d'être très attentif à ça, parce que cette prédisposition risque d'autant plus de s'aggraver si la génération suivante, par sa propre activité occulte, ajoute à cette cause latente une provocation immédiate. Ou si, dans une génération, il y a un vide spirituel. N'oubliez pas que quand les démons s'en vont et constatent qu'il y a un vide qui est resté dans le cœur des gens ou de la famille où ils habitaient, ils vont chercher chacun sept autres démons pour venir. Et c'est Jésus qui l'explique, qui est un spécialiste en théologie des esprits. Jésus. L'hérédité peut s'amenuiser et devenir récessive si les pratiques magiques sont négligées, ou bien elle peut se renforcer et passer à la postérité comme une tendance dominante lorsque celles-ci sont cultivées. Nous devons faire attention à développer une culture occulte dans la famille. Ça peut se transmettre d'une génération à l'autre. Alors, ainsi s'explique la formation de médiums puissants. On va des médiums à l'autre, d'une génération à l'autre, puis des médiums puissants sortent dans une famille. On est comme des médecins qui sortent dans une famille, des avocats, des pasteurs peuvent sortir dans une famille, des présidents de la famille Bush, etc. Des hommes d'affaires, des ingénieurs, etc. On a vu ça. Là, j'ai vu des familles qui ont fait sortir 3 médecins, coup sur coup. Dans notre famille élargie, il y a beaucoup de médecins, puis de pasteurs, puis des ingénieurs, des professeurs, des enseignants, etc. Je vois ça. C'est après 3 générations que se manifeste une capacité particulièrement forte dans ces domaines. À la 2e ou la 3e génération apparaît tout d'abord le don de double vue. Comme nous le voyons dans ces livres, lisez bien ces livres. Puis viennent aussi les somnambulismes, les dédoublements psychiques et enfin une sensibilité générale affinée à l'égard de phénomènes parapsychiques. Il faut s'en débarrasser. Selon l'état de nos connaissances actuelles, la conjuration aurait pour résultat, premièrement, des troubles psychiques et deuxièmement, des développements de facultés médiumniques. Il y a des familles qui développent les facultés médiumniques. Et c'est très important pour nous de le savoir. C'est très, très important. Alors, on peut limiter les dégâts et même guérir des familles entières. Et j'ai déjà vécu des expériences comme ça, toute une famille qui était plongée dans l'occulte. Puis en une nuit, toute la famille est arrivée à la repentance. Ils ont remis, et la famille a remis tous les laboratoires qu'elle avait. Et le Seigneur a fait une délivrance et c'était vraiment radical. L'inceste et toutes les choses qui étaient dans la famille étaient totalement, totalement transformées. Alors, et ces pratiques occultes peuvent aussi aller de pair avec des maladies chroniques dans cette famille, des maladies qui se transmettent d'une génération à l'autre. Et la délivrance de la famille peut directement aussi faire une coupure, n'est-ce pas, nette, de ces maladies, une coupure nette d'une génération à l'autre, c'est-à-dire qu'une autre génération qui va suivre, qui aura une santé meilleure
que celle qui était plus proche de l'occultisme. Voilà donc les choses que je devais vous exposer, que vous retrouverez à la page 125, qu'il faut lire attentivement, et jusqu'à la page 128. Et là, vous verrez d'ailleurs, à la page 128 des derniers paragraphes, comment le problème du rapport entre l'emprise occulte et les maladies mentales peut se poser. Et quand vous avez des gens qui se présentent dans votre église ou dans votre bureau pastoral, qui vous parlent de maladies mentales d'une génération à l'autre, il vous faut toujours chercher si dans cette famille on n'a pas de pratique de la cartomancie, de pratique de la chiromancie, de pratique de lancement de sorts, etc., de sortilèges, la pratique de la sorcellerie, de conjuration magique. Et quand vous découvrez qu'il y a ces problèmes-là, vous identifiez avec précision ces problèmes, vous établissez le rapport entre ces maladies mentales, ces troubles psychiques et ces pratiques, et vous prenez autorité sur les esprits qui sont derrière ces pratiques. Et Dieu fait son travail de délivrance. Dans le domaine de la magie, on voit clairement ce qui arrive à ceux que Dieu livre à leur impulsion. Par exemple, quand Saul était livré à l'esprit mauvais, voyez le résultat, comment il s'est comporté. C'est très important de le voir. Et quand Jésus délivre, on voit aussi comment les démoniaques se comportent. Maintenant, nous allons continuer à voir les différentes, influences extrasensorielles avant de passer dans la leçon qui vient aux apparitions extrasensorielles. Les perceptions sensorielles. La quatrième perception sensorielle, c'est la suggestion mentale. Dans la suggestion mentale, il s'agit d'une émission à distance d'énergie psychique. La personne te bombarde à distance. Et c'est ça même la sorcellerie, l'énergie psychique. Et l'étude particulièrement de ces phénomènes, pourrait également se faire sous les rubriques de la télépathie, de l'hypnose et du magnétisme animal, puisque les mêmes symptômes apparaissent dans ces trois domaines, télépathie, hypnose et magnétisme animal, qui sont aussi de perception des influences extrasensorielles. Tischner consacre un chapitre à cette forme de suggestion mentale à l'intitulé « Expérience de télépathie pure ». Expérience de télépathie pure. Et il y relate des essais de médecins français Dusart, vous pouvez googler ça, D-U-S-A-R-T, qui, sans entente préalable, avait endormi et réveillé à distance une jeune fille. La personne est loin, puis l'endort et le réveille. Et dans cette étude, nous consacrons un paragraphe distinct à la suggestion mentale, car le phénomène de l'influence extrasensorielle y est mis en évidence d'une manière toute particulière. Dans le cas 16, nous avons vu qu'une femme de missionnaire transmettait par télépathie à un ami des instructions concernant l'achat des denrées alimentaires. Et d'autres exemples nous permettront d'aborder la problématique de suggestion mentale. Au cours de deux campagnes d'évangélisation à Berne, en Suisse, j'ai appris, nous dit Koch, les faits suivants, par un ami missionnaire et un autre homme digne de foi. Près du lac de Thun, habite un guérisseur très en vogue. Son nom et son adresse me sont connus. Comme les lois suisses n'autorisent pas les conjurateurs et les charlatans à toucher des honoraires pour leur consultation, ces guérisseurs adoptaient un autre moyen d'alimenter ses finances. Toute personne qui, après son traitement, ne lui donne pas spontanément 5 ou 10 francs se trouve incapable de reprendre le train. Il lance un sort, puis le neutralise. Par suggestion mentale, le magnétiseur tient ses clients sous sa domination. Les employés de la gare sont au courant de la situation et dès qu'ils aperçoivent
un voyageur incapable de monter dans un wagon, il lui conseille en riant, allez d'abord remettre 5 francs à X, alors vous pourrez partir. Hein? Vous qui dites que la sorcellerie n'est qu'en Afrique, vous voyez le vrai sorcier en Suisse, capable de neutraliser quelqu'un qui ne lui a pas pu donner de l'argent après la consultation, par suggestion mentale. Dans le ministère pastoral, on rencontre occasionnellement des exemples d'exploitation de cette technique à des fins financières ou sexuelles, mais ils sont rares. Mais on sait des pasteurs manipulateurs, le gourou, surtout des nouvelles églises, des réveils aux États-Unis un peu partout, qui manipulent la conscience des gens et par suggestion essaient de leur soutirer de l'argent. Mais ils sont rares. En faisant l'inventaire de ces cas, il faut évidemment éliminer les psychopathes sujets dans le domaine sexuel à des hallucinations tactiles ou un délire de persécution. Nous ne retenons ici que les exemples de personnes parfaitement saines qui sont l'objet d'abus. Le problème de l'influence télépathique était déjà soulevé dans les expériences sous C47, C51. Voici un autre exemple d'emprise sexuelle par suggestion mentale. Un exemple d'emprise sexuelle par suggestion mentale. Un intellectuel célibataire avait eu l'occasion de donner des conseils d'ordre spirituel à une jeune fille droite et sérieuse. À la longue, il en résulta une amitié qui provoqua des sentiments érotiques chez l'homme, mais non chez la jeune fille. Ces liens psychiques lui permirent d'établir sur elle une forte emprise suggestive, qui l'amena un jour à se donner à lui, comme dans un état de somnolence. Après coup, elle fut épouvantée, mais sans pouvoir se soustraire à une telle contrainte mentale. Même la nuit, il la convoquait chez lui par suggestion. Elle s'y rendait comme une somnambule, puis se réveillait remplie de peur et de dégoût. Elle se confia par la suite à un évangéliste âgé, l'un de mes amis personnels. La jeune fille désirait sincèrement se soustraire à l'influence de cet individu. Pour y parvenir, elle convainc avec l'évangéliste du moyen suivant. Celui-ci veillerait la nuit dans un fauteuil placé dans l'antichambre qu'elle traverserait lors de ses déplacements nocturnes. Effectivement, à une heure avancée de la nuit, la porte de la chambre s'ouvrit et la jeune fille s'avança en chuchotant « Tu m'appelles? Il faut que je te rapporte la lettre. » L'évangéliste prononça le nom de la dormeuse qui, sursauta, laissa échapper une lettre et s'éveilla. Avec le consentement de l'intéressé, l'évangéliste parcourut le billet d'attente du jour même. C'était une requête de la part de l'homme de ne pas divulguer leur relation, accompagnée d'une offre de dédommagement de 200 marks. L'auteur s'était probablement rendu compte du danger que représentait pour lui cette... L'auteur donc s'était probablement rendu compte du danger que représentait pour lui cette pièce à conviction, puisque mentalement, il avait suggéré à la jeune fille de la lui apporter. Alors, du point de vue de la crédible, notons que la jeune fille fut totalement délivrée de cette emprise subjective, totalement au nom de Jésus. Par contre, dès ce jour et pendant un certain temps, l'évangéliste y a surmonté de telles expériences de persécution. L'évangéliste était attaqué par le démon. Il y a lieu de soupçonner cet homme d'avoir voulu se venger par suggestion mentale. Alors voyez-vous comment
soldats du diable, les agents du diable, se défendent contre les évangélistes, les pasteurs, les prophètes qui cherchent à libérer les captifs, leurs captifs. Et j'aimerais que vous puissiez prendre le temps de bien lire cet exemple de ce que c'est casse. Et cet exemple, c'est l'illustration de C 67 à la page 129 et aussi à la page C 68 à la page 130. Il s'agit donc de la suggestion mentale. Maintenant, passons à la magie noire et magie blanche, dont on parle beaucoup, surtout en Afrique et en Europe. Dans son ouvrage « Médecine et culture », le professeur Diep Gen donne une définition de la magie basée sur sa connaissance de la pratique médicale au Moyen-Âge. « Est magique tout acte qui, sans être cultuel ou technique, vise à influencer le monde extrasensoriel ou la réalité sensible. » Je reprends. Parce que vous devez donner dans votre travail, la définition de la suggestion mentale et la définition de la magie, puis de la magie noire et magie blanche. Et magique, tout acte sans être cultuel ou technique vise à influencer le monde extrasensoriel. C'est pas un acte cultuel, c'est pas un culte. C'est pas une technique. Mais plutôt, c'est un acte qui influence le monde extrasensoriel ou la réalité sensible sans recourir aux techniques et aux cultes. Voilà. Selon cette définition, la magie est à marge de la théologie et de la médecine, bien que ces deux sciences soient obligées de s'en occuper dans la cure d'âme et dans la psychiatrie, parce que les dégâts de la magie atterrissent en psychiatrie et atterrissent dans la clinique du pasteur. L'ouvrage de Diep Gen apporte encore des renseignements complémentaires sur ces domaines. Il écrit, nous pouvons y distinguer trois subdivisions selon le moyen utilisé. D'abord, le maléfice. Les magiciens utilisent d'abord le maléfice, c'est-à-dire la sorcellerie faisant appel aux démons et au diable. Le maléfice. Les magiciens peuvent être des magiciens maléfiques qui utilisent la sorcellerie en faisant appel aux démons et aux diables. Ça, c'est la première. Puis, les sortilèges pieux, qui sans appartenir au rite culturel reconnu, tirent ces moyens de la pensée religieuse courante. Par exemple, utilisation thérapeutique des versets bibliques, formule de prière pour des guérisons, formule de guérison ou imposer les mains, comment imposer les mains, comment faire ça, quelle position prendre, quel cri faire, dès que ça vient comme ça, ça devient magique, ça n'a rien à faire. Jésus n'avait pas une formule de guérison, vous voyez, et il sort, la personne, l'esprit sortait, il n'y a pas d'une formule de guérison, pas d'abracadabra, vous voyez, c'est très important de le savoir. Donc il y a d'abord, les maléfices, c'est-à-dire la sorcellerie faisant appel aux démons et au diable, c'est la magie. Il y a le sortilège pieux, qui sans appartenir au rite culturel reconnu, tire ses moyens de la pensée religieuse courante, utilisation thérapeutique de versets bibliques, formule de prière, quand vous faites le premier de prière de Vierge, je vous salue Marie, je vous salue Marie, je vous salue Marie, je vous salue Notre Père, ça devient de la magie. Ça revient de la magie. Et enfin, la magie dite naturelle, qui sans se rattacher aux deux formes précédentes, assume l'existence de forces mystérieuses qui dépassent le domaine purement matériel tout en demeurant dans le cadre de la création. Elle cherche à influencer ces forces-là et à tirer des effets occultes. La magie naturelle qui va s'appuyer sur des choses occultes comme des fétiches, là, qu'on utilise pour influencer les gens, toucher les gens. Donc vous avez ces trois aspects de la magie, à savoir le maléfice, les sortilèges, et vient enfin la magie dite naturelle. Celui qui s'occupe des cas de magie
dans le cœur d'âme est frappé par le fait que les moyens utilisés n'ont pas varié depuis le Moyen Âge. La magie est presque la même. La définition de Diepgen est parfaitement valable en tout point dans la situation actuelle et dans toutes les cultures. Dans le ministère pastoral, on rencontre essentiellement des cas qui ressortissent aux deux premières catégories, c'est-à-dire aux maléfices et aux sortilèges. Les maléfices et sortilèges constituent justement la sorcellerie. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vraiment distinguer la magie de la sorcellerie. Nous l'avons donc déjà dit, la magie noire invoque le diable ou les démons. Dès que nous avons parlé d'invocation du diable et des démons, ça c'est la magie noire. Tandis que la magie blanche utilise les noms de la Trinité, des versets bibliques, des psaumes entiers ou d'autres symboles religieux, hein, comme ça. Mais la magie noire, c'est le diable et le démon. La magie blanche va utiliser Dieu, la Trinité, tout ça. Jamais Jésus-Christ. Jamais Jésus-Christ. Parce que Dieu, on peut le confondre avec d'autres dieux. Mais Jésus-Christ, on ne peut pas le confondre, le Fils de Dieu béni éternel. C'est pourquoi Dieu nous l'a donné. Et la parole vivante, la lumière du monde, le sel de la terre nous est donné par Jésus-Christ. Quand nous sommes en lui, nous devons le sel de la terre et lumière du monde. Alors, magie noire, sortilège de persécution, de vengeance, de défense, de guérison, etc. Magie blanche, sortilège de protection, de défense, de guérison, de fécondité, etc. Quand on veut attaquer, on utilise la magie noire. On veut se protéger, on va utiliser la magie blanche. Les sortilèges de persécution et de vengeance apparaissent uniquement en magie noire. Et à cela s'ajoute l'envoûtement mortel pratiqué par le primitif, dont le papou de la Nouvelle-Guinée. Les autres formes d'incantation sont communes aux deux catégories. Et aujourd'hui, je constate, j'ouvre une parenthèse, je ferme, que tous les cultes des morts que nous avons maintenant à Kinshasa surtout, et de la magie noire, toutes les dépenses qu'on fait pour les enterrements, et tous les cultes, la façon dont on parle aux morts, c'est de la magie noire. Parce que justement, le diable est le maître de la mort. Oui, Dieu est au-dessus de la mort et domine la mort, mais le diable s'appelle la mort et Dieu s'appelle la vie. Je ferme la parenthèse. Cas 69. Une femme me confiait que, pendant un certain temps, son fils âgé de 12 ans poussait des cris déchirants chaque nuit. À la même heure, il vous faudra d'abord... comme l'enfant ne souffrait de rien pendant le jour, la mère s'inquiétait de ces scènes nocturnes. Elle s'adressa à une occultiste. Celle-ci déclara que l'enfant était victime de persécutions magiques et qu'il fallait employer un charme protecteur, c'est-à-dire utiliser la magie blanche contre la magie noire. Posée le soir, une paire de ciseaux ouverts sur le rebord de la fenêtre et le mauvais sort deviendra inopérant. La mère suivit les conseils. L'aspect déconcertant de l'affaire, c'est que les cris du garçon cessèrent effectivement. Mais quelles étaient les conséquences à long terme? C'est 70. Un paysan prisonnier de guerre, qui n'avait jamais eu de troubles psychiques dans sa vie, fut assez rapidement rapatrié. Son camarade, fils d'une voisine, était encore portée disparue. Celle-ci, très affectée, enviait la joie du voisin revenu. Ses rapports tendus, humainement fort compréhensibles, provoquèrent de cauchemars chez ces derniers. Il avait en dormant l'impression d'être étranglé par la voisine. Et parfois dans son rêve, il l'entendait lui dire « Il faudrait bien que tu crèves ». Cet homme tourmenté s'en alla consulter un occultiste qui lui déclara « Ta voisine te poursuit en te jetant un sort. Je vais faire ce qu'il faut pour qu'elle cesse. Rentre chez toi, ça s'arrangera. » Effectivement, les cauchemars cessèrent de ce moment-là. Quelques temps après,
L'ancien prisonnier se présenta à nouveau chez l'occultiste, disant qu'il était bien délivré de cauchemars, mais que maintenant cette femme s'en prenait à ses bêtes. L'une après l'autre périssait. Le conjurateur promit aussi de régler cette situation. Il remit à notre homme des petits billets porteurs d'une formule magique à mêler au fourrage du bétail. Ainsi fut fait, et de nouveaux succès étonnants, l'épizootie s'arrêta. Au troisième acte de cette tragédie magique, notre homme fut en butte à des attaques qui l'amena à demander un secours pastoral. Et c'est là qu'il fut délivré et des envoûtements de la sorcière et aussi des liens établis avec le monde occulte à cause de la pratique de la magie blanche pour les protéger contre les envoûtements de la magie noire. Citons maintenant un exemple de magie noire pour terminer ce chapitre intéressant. C'est 71. Dans un village, il est question de vendre un grand verger. Et plusieurs amateurs sont sur le rang. Finalement, un riche paysan réalise l'acquisition. Un matin, il est concerné de voir que 30 arbres fruitiers ont été sciés. Immédiatement, il porte plainte, mais la police ne réussit pas à trouver le malfaiteur. Les lésés mettent alors en œuvre un sortilège de persécution. Ils prélèvent le nombril d'un porc abattu et le pend dans sa cheminée après avoir prononcé une malédiction. Tandis que le nombril se consume peu à peu, le malfaiteur inconnu doit dépérir lentement. 6 mois plus tard, on apprend la mort de l'un des amateurs évincés de l'achat. Le propriétaire lésé est maintenant convaincu de s'être vengé du malfaiteur par sa magie noire. De coutume aussi tristement superstitieuse, se passe de commentaires. C'est ainsi qu'au Moyen-Âge, on croyait aux sorcières le brûler vive, ce qui constitue une des plus sinistres pages de l'histoire de l'humanité. Mais les sorciers sont toujours là. On ne les a pas tous brûlés et c'est pas en le brûlant qu'on se protège contre eux. C'est 75, au cours d'une campagne d'évangélisation suisse, et en Suisse, il y a beaucoup de sorciers, une femme souffrant de conflits psychiques vint demander un entretien. Elle révéla une vie familiale totalement perturbée par l'occultisme. La grand-mère était conjuratrice. Sa propre famille la soupçonnait donc de tourmenter la nuit les 11 enfants de son fils. Les parents, excédés par des cris de leur progéniture, s'adressèrent à 3 moines, des soleurs, qui avaient la réputation de pratiquer la magie blanche. Ceux-ci promirent de l'aider à brève échéance. Chose curieuse, la conjuratrice mourut 3 jours plus tard. À l'heure de sa mort, son fils, père de 11 enfants, prétendit avoir vu 2 femmes en noir s'enfuir de la maison. À ce récit, notre interlocutrice ajoutait un souvenir personnel. Dans son enfance, sa grand-mère lui avait enseigné un sortilège qu'elle avait utilisé avec succès à l'âge de 12 ans. Elle fit 3 pas, posant exactement ses pieds dans les empreintes d'une femme qu'elle détestait en marmottant sa formule d'ensorcellement. Là-dessus, la femme devait s'arrêter. La formule fit son effet. La femme s'arrêta, se retourna et s'écria « Veux-tu filer, crapaud de diable ?» Prise de peur, la fillette se sauva et la femme put alors continuer son chemin. Donc, ces choses-là existent et la seule façon de s'en débarrasser, c'est au nom de Jésus, faire sortir ces esprits de magie noire et de magie blanche, pour recevoir le Saint-Esprit qui vient occuper l'espace vide. Et la seule protection que nous avons, c'est le nom de Jésus, le sang de Jésus et la puissance du Saint-Esprit. 6e acte d'influence extrasensorielle, le pacte du sang avec les diables. Les pactes avec les diables sont un domaine le plus étrange de l'occultisme. Et c'est pratiqué partout dans le monde, les pactes de sang. Avant d'avoir rencontré ce phénomène au cours de mon ministère, nous dit
Dr. Koch, je ne voyais qu'une survivante de superstition du Moyen-Âge, de superstition moyenâgeuse. Ce thème apparaît déjà dans la légende de Théophile d'Adana. À l'époque où l'on croyait aux sorcières, une telle possibilité était universellement admise. Dans les contes populaires, le pacte avec les diables devint l'un des thèmes des histoires des chevaliers brigands. C'est par les confidences reçues dans la cure d'âme que j'ai réalisé l'existence actuelle de tels pactes contre lesquels il faut très sérieusement mettre en garde les gens. Nous devons faire attention à faire des pactes de sang, que ce soit dans notre travail, dans nos affaires, dans nos familles. Et voici quelques exemples. Je vais vous donner trois exemples coup sûr. C'est 76, page 139, pacte de sang. Un jeune réfugié, sans feu ni lieu, sans foyer, sans famille ni moyen de subsistance, s'engagea dans sa détresse sur une mauvaise voie. Il se livra à la prostitution, une jeune réfugiée plutôt. Un soir, elle fut prise dans une rafle de police et remise au service de contrôle sanitaire qui lui trouva une maladie contagieuse de la peau. Elle fut condamnée à quelques semaines de prison dans sa cellule et eut une idée étrange. Elle prit une feuille de papier, s'en tailla le doigt et écrivit avec son sang un pacte avec le diable. Les conditions du contrat étaient les suivantes. Le diable devait lui procurer des conditions de vie supportables, tandis qu'elle lui livrait son âme. Après avoir purgé sa peine, la jeune fille fut placée dans un foyer évangélique pour jeunes filles en danger moral. Elle lui fut chaleureusement accueillie, mais elle restait fermée, insensible à l'amour qu'on lui témoignait et résolument réfractaire à la parole de Dieu. Un petit cercle d'intercession se forma en sa faveur, mais en vain. La jeune fille était comme blindée contre toute influence chrétienne. Cas numéro 77, page 139-140. Une jeune fille occupait en Allemagne une position en vue au temps du Troisième Reich de Hitler. Elle fut tellement désespérée par l'effondrement de son idéal et la perte de sa situation qu'elle écrivit de son sang un pacte avec les diables. Par la suite, des troubles psychiques se déclarèrent dans ses hallucinations. Elle voyait une foule d'esprits dans toutes les maisons, les rues et les arbres. Elle avait également des accès de délire furieux et rencontrait toutes sortes de revenants. Elle gardait cependant toute sa lucidité. Les indications qu'elle fournissait étaient réfléchies et objectives. L'hystérie n'entrait pas en ligne de compte. Elle consulta un neurologue qui, après un traitement sans résultat, estima que la cure d'âme était plus indiquée et la confia à un pasteur. À ce jour, la dite personne n'a pas encore été délivrée quand l'auteur écrivait son rapport. C'est 78, page 140. Pour être cru, l'exemple suivant exige beaucoup de bonne volonté de la part d'une personne raisonnable. Au cours d'un effort d'évangélisation, un artisan demanda un entretien pour son cousin psychiquement malade. Comme il s'agissait d'un cas difficile, on avait demandé l'assistance d'un conseiller presbytéral chrétien en âge engagé. Trois personnes étaient donc réunies par le pasteur. Comme il faisait sombre, on avait fermé le volet et allumé la lumière. Notre malade s'est mis à raconter l'expérience suivante. En 1935, il voulait se marier. Ni sa fiancée, ni lui n'avaient l'argent nécessaire pour meubler une chambre à coucher. Au restaurant, une de ses conséquentes connaissances lui conseillait de conclure un pacte avec les diables et de lui demander 500 marks. À minuit, pose ton contrat sur la table, éteins la lumière et crie trois fois « Lucifer, viens ». L'homme suivit ses conseils au nom de Jésus. Tu ne viendras pas ici. Et il s'entailla
un doigt et rédigeant la demande de 500 marques avec l'engagement de livrer son âme en contrepartie. À minuit, il cria trois fois, ce qu'on lui a dit de crier, la formule. Subitement, il se sentit très mal à l'aise, deux yeux flamboyants le regardaient, puis une main exsangue passa sur la table. L'homme effrayé fit dans la lumière. Il y avait là une liasse de billets d'une valeur de 500 marques. Son propre papier avait disparu, remplacé par un autre portant l'inscription « Demain soir à minuit, viens la croisée de route au-dessus du village ». Très inquiet, l'homme décida de ne pas se présenter au rendez-vous. Pourtant, la deuxième soirée venue, il se sentit poussé par une force irrésistible. Il s'arma des pistolets, sortit au carrefour. Il vit une silhouette effroyable, mi-homme, mi-bête. Il vida tout son chargeur dans sa direction et elle disparut. Le plus étrange, c'est que les 500 marques étaient toujours en sa possession et que personne n'était venu le lui réclamer, en lui avouant qu'on lui avait joué une farce. Il acheta donc la chambre à coucher et se maria. Mais l'inquiétude ressentie à la réception de l'argent ne devait plus le quitter. Il lui arrivait souvent de se sentir harcelé par de furies. Son regard devint incertain, son visage se creusa de rides, ses cheveux blanchirent. À 43 ans, lors de sa confession, il avait l'air d'un quelqu'un de 70 ans. Pendant son récit, qui dura 2 heures et demie, les 4 hommes furent effrayés de temps en autre par des coups frappés à la fenêtre. Chose curieuse, bien que le volet fût fermé, le choc n'avait pas la résonance sourde du bois, mais celle du verre. Malgré son aveu, l'homme ne put échapper à son inquiétude. Et c'est la pastorale qui fit son travail pour l'amener à la délivrance. Gloire et louange à notre Dieu qui délivre du pacte de sang. Et si vous avez fait un pacte de sang, eh bien nous brisons ce pacte au nom de Jésus. Septième influence extrasensorielle, le fétichisme. Il existe une vénération superstitieuse de fétiches, amulettes, talismans. Il y en a beaucoup en Afrique, comme en Inde et en Europe. Le mot fétiche dérive du portugais fétitio, fétisso, charme, et du bas latin factitius, magique, efficace. Dans l'histoire de religion, on entend par fétiche un objet matériel auquel on attribue une âme. Même les médailles qu'on met, médailles telles simples pour la protection contre les accidents, Saint-Christophe, c'est des objets fétiches. Les amulettes qui viennent du latin amuletum signifient moyen de défense pour se protéger. Et beaucoup de gens ont des objets de défense dans leur corps. Le président, un président qui était un général béninois qui est devenu chrétien plus tard, avait des kilos d'amulettes sur lui pour se protéger. Quelques illustrations. Du temps de mes études, nous dit le professeur 80-144, le professeur Koch, qui est professeur aussi de théologie pratique et docteur en théologie pratique et pastorale. Du temps de mes études, j'occupais la chambre 12A d'un foyer d'étudiants. Lors d'un contrôle, je m'aperçus que 12A remplaçait le chiffre 13. Il y avait donc une chambre 12, puis une 12A, une 14, etc. Et ceci dans une ville universitaire, l'esprit éclairé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Plus tard, le directeur du foyer voulut occuper cette pièce. Il fit venir le peintre et lui ordonna de changer le numéro 12A en 13. Le peintre demandait « Que va-t-on faire de cette chambre ?» Le directeur répondit que ce sera sa chambre à coucher. Le peintre refusa d'exécuter le travail en s'écriant « Je ne veux pas être responsable, s'il vous plaît. Et s'il vous arrive un malheur dans cette chambre ?» Le peintre n'avait donc pas bénéficié de lumière scientifique de l'université voisine.
Le chiffre 13, chiffre magique, fétiche. Ce 81 janvier 1950, un quotidien publia la nouvelle suivante, dont je ne puis personnellement garantir l'authenticité. Vu qu'il s'agissait d'un communiqué de presse, le sous-marin anglais Laurentin devait prendre la mer le vendredi 13 janvier 1950. La date comportait un double présage défavorable qui entraînerait certainement une catastrophe. Les capitaines renvoyaient l'appareillage au lendemain matin. Mais comme le départ du sous-marin avait été annoncé pour le 13 et non le 14, il appareilla, entra en collision avec un bâtiment suédois et sombra immédiatement. Selon le communiqué, il y eut 90 morts. Dans ces cas de superstition, la superstition était responsable du drame. Cas numéro 82. La mère d'une fillette malade, âgée de 12 ans, avait consulté de nombreux médecins, mais en vain. Tous les traitements restaient sans résultat. Finalement, elle demanda de l'aide à un évangéliste aussi bien pour elle-même que pour son enfant. Elle passa plusieurs semaines au foyer dirigé par cet homme sans qu'il y eût une amélioration dans l'étrange état de sa fille. Un jour, l'évangéliste remarqua au cou de la fillette un pendentif fixé à une chaînette. Il demanda à la mère de le lui donner. Celle-ci refusa d'abord sous prétexte qu'on lui avait formellement interdit de l'enlever, sous peine d'une aggravation de la maladie. Le serviteur de Dieu, qui s'y connaissait en pratique occulte, expliqua à la femme ce qu'il en était et obtint d'elle la remise de l'amulette. Je termine juste un cours et j'arrive. Je termine un cours et j'arrive. Ok, on se parle après, je suis en cours. Donc les serviteurs de Dieu, qui s'y connaissaient en pratique occulte, expliqua à la femme ce qu'il en était et obtint d'elle la remise de l'amulette. Il en retira effectivement une formule de consécration à Satan, qu'il lut à la femme étonnée et détruisit aussitôt l'amulette. L'enfant s'est rétabli et put quitter l'établissement en parfaite santé. Voyez-vous, hein, l'amulette peut porter des souffrances terribles. Et enfin, nous allons parler des incubes et des succubes. Huitième domaine des influences extrasensorielles. Nous avons vu les amulettes, les fétiches peuvent avoir des influences extrasensorielles sur votre santé physique et psychique. Les incubes. Le domaine le plus répugnant de la cure d'âme est celui des apparitions liées à des expériences sexuelles. À la page 148, 149, ce livre était écrit au début des années 70. Donc, les démons sexuels ne sont pas du tout des découvertes de combats spirituels ou que sais-je encore. Bien avant, c'était même établi. C'est parce que, souvent au Congo, des choses comme le réveil. Le réveil spirituel n'a pas commencé à Kinshasa dans les années 80. Les gens étaient en retard depuis les années 70 et à travers la Ligue pour la lecture de la Bible. Si vous demandez au pasteur Kabisekela, il va vous en parler. Déjà là, il y avait des délivrances et je me rappelle avoir donné des conférences sur l'occultisme et la cure d'âme en m'inspirant de ce livre de Koch et de l'ouvrage de notre ami Maurice Ray. Et à ce moment-là, je venais de terminer mes études de philosophie. J'étais de nouveau rempli du Saint-Esprit. Je connaissais bien notre vision du monde, africaine du monde, qui est la même vision animiste du monde entier, de la croyance aux esprits des morts, etc. Eh bien, j'étais dans ces croyances-là comme jeune, et j'ai dû m'en débarrasser en venant à Jésus. J'ai dû être délivré, dépouillé de ces croyances. Et puis, j'ai commencé à délivrer d'autres personnes. Ah, le renouveau charismatique, c'était le premier réveil.
à travers la Ligue, ça touchait les catholiques, ça touchait beaucoup de protestants, les catholiques surtout. Hein, et ça commençait à la Ligue. Hein. Gâteau était la base à Kinshasa. Hein. Et la Ligue était partout dans le monde, donc le réveil touchait partout dans le monde. Et dans le monde universitaire, c'était aux États-Unis d'Amérique, dans des universités, hein, et ce réveil a touché l'Église catholique, qui, à travers le mouvement de Ajournement, a introduit la prière spontanée et la méditation et la proclamation de la Bible. Je me rappelle encore quand j'arrivais à la grande paroisse catholique en ville. Et je ne sais pas pourquoi cette grande paroisse n'était pas conçue comme une grande cathédrale, parce qu'elle n'avait plus de stationnement et tout ça. Je vois maintenant les noms de la paroisse. Et une fois, quand j'arrivais le samedi, parce qu'on priait le samedi après-midi, et qu'on louait le Seigneur, parce que j'étais assis, puis le père Verhagen était là, il était aussi un charismatique, puis c'est lui qui prêchait, moi j'étais caché là, il dit, oh, je ne savais pas que le frère Daniel était là, je lui aurais donné la place de prêcher, tellement que le Seigneur nous a mis à part pour cela. Le réveil avait commencé là, pas par nous autres, et, Papa Kamanda, paix à son âme, merci Béziré au ciel lui-même, frère Famosi aussi, frère Kabisekela, frère Daniel, tous frères Sita qui viennent se joindre à nous. Puis c'est comme ça que le réveil a commencé. Il y avait 3-4 prédicateurs à ce moment-là. Et on délivrait déjà des gens de démons sexuels. Alors, le domaine le plus repugnant de la cure d'âme est celui des apparitions liées à des expériences sexuelles. Certaines personnes sont tourmentées la nuit par des visitations à caractère sexuel. Il ne s'agit pas de rêves érotiques, ni d'éjaculations nocturnes, pas davantage d'hallucinations sexuelles de schizophrène, mais d'expériences vécues à l'état de veille. Et dans l'histoire des religions, des manifestations sont connues sous le nom d'incubes et de succubes. Il s'agit de démons prenant une apparence masculine ou féminine. Quand elles prennent une apparence féminine, on les appelle incubes, et masculines, on les appelle succubes. La Bible y ferait allusion lorsqu'elle relate comment des fils de Dieu s'unirent aux filles des hommes. Genèse 6, 4. C'est ce qu'on a pris pour des mariages d'anges. Une telle notion se rencontre chez divers peuples de l'Antiquité. Les filles de la nuit, Ardat, Lili, faisaient partie de la mythologie assyro-babylonienne. Elles se perpétuèrent dans la tradition judaïque sous le nom de Lilith. Dans l'ère chrétienne, le thème de l'union avec les démons persista. La légende de saint Antoine rapporte comment le diable se manifesta à lui, entre autres sous forme d'une femme séduisante. Ce sujet se maintient dans la croyance populaire du Moyen-Âge. Le chapitre 6 du sixième livre de Moïse prétend que la nuit, les démons tentent sexuellement les humains sous la forme de beaux jeunes gens et jeunes filles. Aujourd'hui encore, cette forme d'attaque est souvent mentionnée dans la cure d'âme. Quelques exemples nous donneront une idée plus précise de la détresse psychique des personnes menacées. Une femme a souvent des apparitions nocturnes. Pleinement éveillée, c'est le cas 24, pleinement éveillée, elle voit 5 sangliers se précipiter pour abuser d'elle. Elle crie et elle appelle au secours son mari, arrive à peine à la calmer. Elle ne voit pas les animaux. Lui et il ne voit pas les animaux, le mari. Mais il entend de bruits étranges. Cas 85. Un de mes amis, autrefois missionnaire en Chine, m'a rapporté sur ce pays. Et cette femme sera délivrée par la thérapie pastorale, la cure d'âme. Un de mes amis, cas numéro 85, autrefois missionnaire en Chine, m'a rapporté sur ce pays des faits semblables. Il s'agit de la possession par des renards. Problème bien connu dans l'histoire des missions. De jeunes filles parfaitement saines d'esprit
et qui vaquent normalement à leurs occupations, sont tourmentés sexuellement par des spectres nocturnes. Et des personnages à tête de renard surgissent. Dès qu'ils s'approchent de jeunes filles, leur physionomie se transforme en un beau visage de jeune homme. Les victimes souffrent terriblement de ces visites. Il est remarquable que les jeunes filles qui se convertissent à Jésus-Christ sont délivrées et que les chrétiennes ne connaissent pas de telles expériences. Un jeune homme, bien disposé à l'égard de l'Évangile, perdit sa femme. Il se remaria 18 mois plus tard et fut heureux en ménage. Pourtant, dès le jour de ses secondes noces, il fut incommodé par des apparitions nocturnes. Sa femme défunte lui apparaissait de nuit et cherchait à s'unir avec lui. Fort en peine, il demandait un entretien à un serviteur de Dieu. Il se confessa et décida de suivre le Seigneur. Il désirait ardemment être délivré de ces scènes nocturnes. Le serviteur de Dieu, évangéliste très connu, intercéda pour cet homme. Le résultat fut que l'intercesseur subit à son tour d'étranges attaques qui, une certaine nuit, atteignirent leur paroxysme. Tandis qu'il priait, il ressentit derrière son dos comme un fort courant électrique qui s'approchait de lui. Au nom de Christ, il ordonna à l'apparition de se retirer et il disparut. À partir de ce soir-là, le mari fut délivré des apparitions troublantes de sa femme. Voyez-vous, cet esprit a essayé d'attaquer l'évangéliste. L'évangéliste a résisté, puis a chassé cet esprit et a soumis. Voyez-vous donc, quand nous soumettons maintenant ces trois exemples, la critique de trois niveaux. Du point de vue psychiatrique, redisons qu'il ne s'agit pas des idées fixes ni des hallucinations sexuelles des psychopathes. Ces victimes sont des personnes équilibrées, sauf en ce qui concerne leurs expériences nocturnes. Depuis des années, elles s'acquittent sans entrave de leurs tâches professionnelles. Sauf la nuit, ça ne va pas. Du point de vue de la psychologie de profondeur, on peut soulever l'objection suivante. Ces apparitions pourraient être l'expression d'un appétit charnel inassouvi, d'une libido extrême qui n'est pas du tout satisfaite. Une telle interprétation présente pourtant des lacunes indéniables. La possession par le renard se rencontre uniquement parmi les chinoises non chrétiennes. Et celles qui se convertissent sont délivrées. Comment, psychanalytiquement, on va expliquer. L'évangéliste dont nous avons parlé est un homme très cultivé, universitaire, et doué d'une grande expérience pastorale. Il a ressenti de l'opposition spirituelle dans son intercession jusqu'au moment où il fut lui-même délivré. Il a vaincu le phénomène de la contamination psychique ou des concepts primitifs de transfert magique, hein, comme le transfert d'onction, le transfert des esprits, était en ligne de compte. Le point faible de l'intervention des psychologues, n'est-ce pas, de profondeur, nous font donc fortement présumer qu'il y a un élément surnaturel dans le phénomène sexuel évoqué ci-dessus. Et nous soupçonnons nous-mêmes le fait que les psychanalystes, pour la plupart, étant possédés par les esprits sexuels, ont des difficultés de s'en sortir et de comprendre comment s'en sortir. Il n'y a que les hommes et les femmes, loin de Dieu, qui peuvent faire sortir ces gens-là de l'esclavage démoniaque. Donc, sur le plan de la culture d'âme, notons le fait important que la foi au Christ met un terme au phénomène de mari de nuit, on dit, mais nous sommes démosexuels. Quant à l'origine des attaques sexuelles, dont le caractère peut être démoniaque, on pourrait l'attribuer sans invraisemblance à l'association de la sodomie et de l'occultisme. On observe constamment dans le ministère pastoral que dans le couple chrétien, dont l'un des conjoints a une attitude légaliste et négative à l'égard de la sexualité, les partenaires insatisfaits tombent parfois dans l'adultère et même dans l'homosexualité. Et si à cette tendance s'ajoute un lien magique d'origine occulte,
Alors, au point de vue psychologique et parapsychologique, se trouvent réunies les conditions favorables des apparitions sexuelles. Il n'est pas impossible qu'une emprise occulte soit la cause déterminante de ces deux formes de sexualité exacerbées, la sodomie et les visitations nocturnes. En effet, l'activité occulte produit toujours des déformations caractérielles extrêmes et des extravagances psychiques. Mais il n'y a pas encore assez de cas à l'appui. Il faut continuer l'étude pour voir si les gens qui sont pris par des démons sexuels ne sont pas des gens qui ont aussi une sexualité débridée, une sexualité extravagante, comme la masturbation, la sexualité, l'homosexualité, la sodomie, etc. Et on peut aller même plus loin. Plus loin, c'est-à-dire des pratiques occultes associées à la sexualité peuvent entraîner justement la présence des démons sexuels dans la vie de quelqu'un. Voilà donc, nous venons de parcourir toutes les influences sexuelles. C'est ici que prend fin l'étude de ces chapitres consacrés aux influences extrasensorielles. Nous avons étudié ensemble l'hypnose. Qu'est-ce que l'hypnose? C'est votre question à laquelle vous devez répondre. Le magnétisme est guérisseur. Qu'est-ce que le magnétisme est guérisseur? La conjuration magique. Qu'est-ce que la conjuration magique? La suggestion mentale. Qu'est-ce que la suggestion mentale? Nous avons étudié aussi la magie noire et la magie blanche. Qu'est-ce que la magie? Qu'est-ce que la magie noire? Qu'est-ce que la magie blanche? Les pactes de sang avec le diable. Vous avez vu ces gens-là, non pas entre humains, là, ils ont fait vraiment des pactes avec le diable. Qu'est-ce que signifie le pacte du diable? Le fétichisme. Qu'est-ce que signifie le fétichisme? Les incubes et les succubes. Nous arrêtons ici le 8e chapitre de notre cours. Et dans la leçon suivante, qui sera la 9e leçon, nous arrêtons ici plutôt la 8e leçon. Pas le 8e chapitre, la 8e leçon, puisque c'est beaucoup de chapitres que nous avons examinés dans cette 8e leçon, je m'excuse. Dans la 9e leçon, nous étudierons les apparitions extrasensorielles, la matérialisation et les apparitions de revenants. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et vous protège et vous garde. Soyez toujours loin et guidés par le Saint-Esprit et demeurons protégés par Jésus-Christ. Son sang précieux nous protège et la puissance de son esprit nous donne l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ni l'hypnose, ni le magnétisme guérisseur, ni la conjuration magique, ni les suggestions mentales, ni la magie noire et la magie blanche, ni les pactes de sang et de diable, ni les fétichismes, les incubes et les succubes, ni les sorts ne pourront triompher dans notre vie. À lui la gloire et à nous la joie de les servir. Amen.